Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une soupe aux choux exactement. Et oui, donc là nous avons besoin d'un chou vert que l'on a coupé en lamelles. Nous avons besoin de 4 carottes, de 4 pommes de terre, de sel parce que c'est important de saler ses légumes. Surtout dans les soupes parce que sinon c'est fade. Alors moi je sale avec du gros sel. Il vous faut 1,5 litre d'eau. On va cuire tout ça dans un autocuiseur. Moi je cuis que avec ça de toute façon. Comme ça c'est fait. J'ai un clipso parce que je trouve ça tellement pratique. J'ai plus peur que ça m'explose à la figure. Donc on met le chou. On va mettre les carottes par-dessus. Nous allons mettre les pommes de terre. Nous allons mettre l'eau. Et bien sûr, nous allons saler. Alors, je vais mettre la moitié à peu près du sel qu'il y a dedans. Parce qu'il faut saler, mais pas trop quand même. Mais il faut saler parce que c'est fade sinon les légumes. Donc là, nous allons mettre le couvercle de l'autocuiseur. Et le mettre en mode cuve et non pas avec le panier. C'est parti pour 15 minutes. 15 minutes plus tard, mes légumes sont cuits. Je vais remettre de l'eau pour pouvoir mixer tout ça. Je vous évite le bruit quand même du mixeur parce que c'est une horreur. Le voilà, ma soupe elle a été mixée. J'ai de la buée sur ma caméra pour le coup. Désolée. Donc là, voilà, je vais la dresser. Et voilà, ma soupe prête à être mangée. En ce moment, il fait froid. Nous, il neige dehors. C'est un pur bonheur. Donc, on mange de la soupe. La soupe aux choux, c'est génial. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.